assassinat président Jovenel Moïse, 600 pour arriver 7 juillet 2021, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est jour-ci, et enquête là, est-ce qu'il nous dit que nous avons presque réussi? Eh bien, il y a un peu de monde qui estime que c'est bouille vide qui a fait dans le dossier enquête ça, parce que même si là, qui t'a dit c'est eux qui a fait enquête sur le dossier assassinat, c'est eux encore qui t'a assassiné président Jovenel Moïse, selon Stanley Lucas, qui lui-même t'a parlé hier soir dans l'émission Boucanter la parole et qui t'a mis en pile gros vérité. Et donc, sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, mesdames et messieurs. Et bien, la vidéo, ça nous va inviter à avoir plus d'informations tout concernant Rodolphe Dja, qui lui-même, c'est un homme qui plaide coupable devant la justice américaine et qui fait qu'on est que, bon, il était bail l'argent, il était bail côté pour faire la descente, il était bail cob pour manger, qui donc son équité investi dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Bon, l'autre information que nous portons pour vous dans la vidéo ça, qui c'est véritable et point fort vidéo, c'est sanction que gouvernement Canada lui-même prend contre ancien sénateur Nenel Kassi avec un homme d'affaires Joël Kaoli qui c'est beau frère et Edozeni. Nous bien dit que c'est beau frère et Edozeni, monsieur Tamari avec frère et sœur et Edozeni, disons, eh bien, je dis à la qui tombe en bas sanction internationale là, pour ne pas dire que les États-Unis, mais c'est plutôt et autorité canadienne qui ont même pris sanction contre deux chabraques ça dans le pays. Quand il s'agit de Nenel Kassi, nous connaissons très bien si on en est qui, eh ben, pas trop clair dans le pays, y a un pile monde par Nenel Kassi, qui était sénateur avec ancien sénateur Jodia, qui toujours est un véritable et mauvais jeu dans le pays, y a un pile monde dit que Nenel Kassi son nègre, qui n'a gang, il n'a tout ça que pas ça. Bon. Nous, ouais, commissaire Muscadet qui fouque Nenel Kassi parce que vous avez monsieur, en équipe bagay dans la machine, qui a déblosé tout, qui est passé dans Delma, et qui lui-même, vous avez un couteau dans la machine Nenel Kassi, qui a gagné sang, et qui a gagné monde qui a mouru, je sais, bon, en tout cas. Mais l'autre nouvelle que nous portons pour vous, qui est plus intéressant dans la vidéo ça, eh ben, c'est dossier sanction qui prend là, eh ben, contre Nenel Kassi avec, et Joël Kaoli, beau frère Edozeni, mesdames et messieurs, et nous, Edozeni, tout, il est tombé en bas sanction. Qui donc, son équipe n'est venu, et je ne j'ai dit à la, qui a fait gros gagan dans la radio, et qui a parlé, vu retourner, mais qui de n'est pas clair. C'est les internationaux là, comment s'y a mettre pied sous coup, n'est-ce pas, qu'on est, qui n'est quitté bon monde, qui n'est quitté mauvais monde. Parce que si c'est pour l'État haïtien, nous ne pouvons pas connaître qui moun nan pays a, qui nan mauvais jeu, qui moun nan pays a, qui nan finance gang yo, qui nan fait kidnapping, qui nan brasse drogue dans pays a. Eh bien, je dis à la Nenel Kassi, son équipe très bientôt là, ka en bas code, parce que dans le moment, monsieur pas qu'à voyager pour la nan pays, Canada, nous pas connaître pour États-Unis, mais pour Canada, plume négouille. Qui donc, Nenel Kassi là, si on mauvais maladie d'après monsieur, c'est Canada pour l'Algérie. Monsieur a déjà mouru parce que, et donc, sanction contre monsieur pour financer gang dans le pays, à quand dossier kidnapping, et tout ça pas bon, yo. Et vous n'en financez gang, vous n'en tout ça pas bon, yo. Et je dis à la Nenel Kassi en bas sanction. Nous allons inviter à gagner plus de détails dans la vidéo ça, ou sous Chanel Pola, et tvlakayhaiti.com, et je dis à ce samedi 25 mars 2022, n'a profité, 2023, n'a profité de dire un grand merci à tout si là, tout le monde qui était connecté et sur tvlakayhaiti.com pour nouveau abonner nous. Abdou, merci le fait que vous faites choix de nous. Bon samedi, n'a tout. Bail sanction, continuez avec sanction, mesdames, messieurs. Nenel Kassi, non, moment n'a parlé là. Sanction normal. Sans côté, eh bien, Joël Kaoli, qui joue une sanction dans même dossier sanction, hein? Évidemment, nous prenons le bon plus d'état dans quelques minutes. Puis, sans côté, eh bien, nous toutes nous tentons de parler de ça. Rodolphe Dja, de façon officielle, qui déclarait que lui coupable dans dossier la mort président. Donc, tranquillement, lentement, n'a pas avancé la justice là. Et puis, ça côté, mesdames, messieurs, nous voulons évidemment, faut-il parler de commissaire Muscadet. Nous avons pile actualité. Mais avant ça, permettre que me salue, Pradel Pilaino. Monsieur, comment est-ce? Oui, n'a pas continué, n'a pas avancé. Eh bien, je crée une autre économie. Eh bien, il y a un gros mouvement qui est fait. Eh bien, à l'occasion, visite. Et ça que visite le président américain, côté que nous connaissons une diaspora au niveau du pays Canada, côté que nous-mêmes nous avons manifesté eh bien, au niveau du Parlement, et bien donc le résultat a commencé à tomber dans le ministre que et la parole là, côté que il y a des programmes Canada qui viennent tout
et lui dit qu'il peut lancer un programme tant que Biden pour commencer à recevoir 15 000 personnes qui se grâce avec le mouvement sérieux, tout autant que diaspora lui-même distancé après mobiliser, mais c'est tout autant que. Et bien, Haïtien Abdel, le Canada, qui vient annoncé le programme d'un programme, tant que Biden, pour commencer, et pour commencer à recevoir 15 000 personnes, et bien, on est tout dernier et nouvelle, yo. Et bien, la boucle, c'est une nouvelle façon, ça fait une actualité. Et bien, pendant que le Canada vient annoncer le tout, il y a l'autre information, et qui s'en fait tomber là, et bien, Canada, il y a arrivé sanctionné, mais elle casse, active, et bien pour gagner ensemble avec l'activité criminelle dans le pays d'Haïti. Et bien pour le ministre canadien qui a annoncé environ 100 millions de dollars d'aide pour la police nationale d'Haïti. Et bien même pour lui annoncer le Canada pour le recevoir 15 000 migrants indépendants de l'année 2023. Et ça, et bien Abdou gagner en pile et je te nous dis que c'est ça qui bien qui sorti journée et vendredi à Canada lui imposé et bien. Et je ne vois pas de sanction contre l'ancien sénateur Nenel Kassi et puis l'homme d'affaires et Steve Kaoli, eh bien, ils ont reproché parce qu'ils soutenaient violence et puis insécurité dans le pays d'Haïti. Il y a plusieurs autres personnalités qui, eux-mêmes, ont déjà été sanctionnées. Eh bien, je dis ça va prêter là. Eh bien, il y a pas continué dans le même cadre et lancement. Et si là, n'a pas avancé et du lien parce que c'est une bonne nouvelle surtout pour les communautés haïtiennes, qui eux-mêmes qui suivent. Eh bien, Jean-Claude et Dossier ça lui-même est lié. Eh bien, et puis, il y a un Canada qui, lui-même, d'après 29 infos, Canada lui-même lui dit que il est prêt pour capable de débourser 250 millions de dollars pour capable former et la police, eh bien, au niveau de pays d'Haïti, font ça, il est utilisé dans le cadre d'un plan d'urgence. Eh bien, pour le ministre Justin Trudeau et lui-même qui est prêt à le proposer ensemble avec le président Joe Biden, lui visait aussi pour capable améliorer eh bien, conditions salariales au niveau de et pays d'Haïti, eh bien, et pour le ministre canadien Justin Trudeau, qui lui proposer ensemble avec le président Joe Biden, on plan d'urgence de 250 millions de dollars, et pour notamment accélérer la formation, eh bien, policiers haïtiens, c'est ça que l'information lui-même lui a apporté d'après LP et la presse, eh bien, je dis que, et ça lui-même, il va le viser pour capable améliorer les conditions salariales pour les chéos, n'a pas et continuer dans le même cadre d'information, yo, et Canada, et lui-même qui voulait jeter bien loin l'idée pour une tavine dirigée aux forces militaires pour aider le pays Haïti, et bataille contre Gagnon, dans le cadre de la rencontre avec Joe Biden, Justin Trudeau. Canada fait qu'on est, et bien, il n'a pas voulu soldats liés aux villes, en bas même bandits, et il n'a pas souhaité non plus soldats liés aux commettre un mauvais acte, ça fait d'Haïti dans le cadre d'affrontement, yo. Voilà, et mesdames, j'en ai regardé un extrait là, c'est sûr et certain. Eh bien, c'est devant le bureau premier ministre et Trudeau à nous. On a rappelé très bien que justement, eh bien, président Biden actuellement lit Canada. Et, mais en pile, monde gens que pensaient que la population aimait Biden, c'est pas forcément vrai parce que grand pile manifestation anti-Biden n'a pas rappelé que justement président Barack Obama, elle était venu au Canada, mes amis, moun qui était débarqué, moun qui était grand enthousiasme, mais pour président Biden, on t'a dit c'est l'autre bagarre qui a pris glé, mesdames, messieurs, mais simplement, on a regardé nous-mêmes, nous t'es justement, et Ottawa, et bien là, pour qu'on y a là, sur l'autre groupe moun, également, nous t'es gagné invitation, ça, pour nous t'es présenté nous, mais nous capables de comprendre la cause de voix, nous pas tant mesure pour aller, mais bref, n'a félicité groupe Mounzao qui était devant bureau premier ministre bon côté par qui a poussé qui a demandé justement respecter intégrité Haïti respecter pays donc à bas groupe c'est même bagaille là c'est même mouvement qui a continué avec l'autre monde j'en dis bravo avec équipe ça et puis sincèrement ou imaginez si tout l'autre et pays ont fait un bagaille là si les États-Unis t'ont commencé t'ont continué à forcer le président Biden nous t'avons plus mesdames et messieurs. Nous t'abjouons plus, et je nous toujours dit, c'est pour un petit bagage qui petit. D'ailleurs, nous félicité, et monsieur qui est en France, parce que nous, y'a bien même rythme là. Mais sincèrement, bravo, bravo. Et puis, pour question sanction, yo, moi, y'a monde qui parle d'accord, y'a monde qui parle trop content. Mes amis, Nenel Kassi, pas oublier qui ça Nenel Kassi représente dans le pays, hein. Nenel Kassi, de pouvoir parler des affaires droits, armes, des affaires munitions. Nenel Kassi, tout ça, monsieur, c'est un monde qui a crasé pays, hein. En quelque sorte, eh bien, nous-mêmes, nous féliciter ça. Nous féliciter ça parce que quand même moun sa yo c'est sûr certain et même l'impact là il pas trop fort mais quand même c'est quelque chose pareil parce que nous pas gagner même si les États-Unis décident de prendre sanction contre Nenel Kassi contre équipe ça qui là pensez que nous t'a jeune plus mais dans ce sens nous dit bravo et puis pour moun qui pas connaître l'histoire
pays Canada qui décide eux-mêmes de ne pas voir militaire en Haïti, eh bien, son l'autre bel geste lié, peut-être que ça, n'a pas appelé au bon côté ancien premier ministre Jean Chrétien, eh bien, il était pression que t'as pour te voir troupes en Irak, lui-même, il te dit non. Je dis à là, ça qui passe en Haïti, là, ma preuve, son dégât total entre la France et les États-Unis, c'est eux qui mettent Haïti dans sa là. D'après quelques monde que nous parlons, le gouvernement canadien, ils ont un service d'intelligence à Haïti, là, les rives à Haïti, ça, ouais, mesdames, messieurs, corruption tellement grave, petit groupe famille, ça qui a crasé pays, les rives, mes amis, c'est pas tête chargée. Je nous pense que corruption nous beaucoup ouais on est là bagaille beaucoup plus grave si vraiment pour nous sortir dans ça là faut que les États-Unis mettent pied à terre faut que les États-Unis croisent et des peuples haïtiens parce que nous tous nous connaissons très bien quand Zamak ministre a sorti yo comme ça tout autant on a parlé des sanctions oui Canada ben des sanctions nous capable comprendre mais monde qui t'a pour ba vraie sanction c'est administration Biden là yo beaucoup faire mais ça qu'a fait là nous pas cracher sur lui ou pas qu'à cacher sous lui, mesdames, messieurs. L'important, l'énal devant bureau premier ministre, l'énal devant, l'énal, soi-disant Ottawa. Tout ça, c'est des actions qui sont importantes. Mais n'empêche, ou même qui aux États-Unis, n'a pas de comment c'est prendre responsabilité, nous, mesdames, messieurs. Comment c'est prendre responsabilité, nous? Oui, Pradel, en nous avancer, frère Pam. Oui, d'avoir avancé, mais pendant que nous avons avancé, on va aller au niveau du Parlement et Canada, côté que je viens de connaître que c'est un groupe monde qui, il même dit là que gagné et point carte dans main eux dit que Haïti pas gagne droit mourir mais c'est parce que nous même nous t'as parlé de sur et point carte nous t'as parlé que Haïti ne pourra et ne mourra pas et bien il t'a dit stop et pour supporter et pour suspendre supporter gagne et bien il t'a demandé ça et bien la dit que Biden Trudeau et bien il dit que il était génocide hein et bien Haïti pas gagne droit mourir en été pour supporter suspendre et supporter gangyo et bien au niveau du pays d'Haïti et bien Dieu est-ce que nous pouvons aller devant pour nous être capables de faire mieux garantir l'image pour nous que les groupes haïtiens qui nous même nous allons camper là nous que des gens qui sont qui nous même et qui tapent accompagner en font un coup de pied et au niveau des zones pour nous regarder comment que nous même ils tapent essayer de parler ils tapent les salles by Biden ensemble avec Trudeau. Blindé pour moi-même. Mais étant donné que le mouvement lancé, nous pas de problème. Nous pas fait même gens qui a série des monde qui fait. Les nous lançons mouvement, nous avons série des monde qui te boycotté. Mais nous-mêmes, nous avons sagesse parce que c'est pour Haïti, nous avons campé le mouvement parce qu'il est bon au pays. Ok? Et c'est dans le cadre samedi, nous personnellement, prend engagement, m'a pris l'été, m'a pris l'île pour le bon plus d'explications sur ça. Et puis à ce moment-là, là pour plaisir pour moi, pour me dire non, mes amis, à sous tel site parce que c'est pour commissaire Muscadet. Voilà. Et d'abord, on va plus de détails sur ça. En attendant, Pradel, à nous avancer, parce que là, il faut nous parler de justice pour le président. Et parce que nous, World of Jah, monsieur, dans l'actualité là, et frère Pam. Oui, là, pour continuer le cadre, information censée à prédominer l'actualité là, et bien, après que les sanctions contre le taxi avec Steve Kaouli, et bien, l'autre nouvelle qui vient, c'est Rodolphe Jah, qui lui-même, c'est homme d'affaires. Haïtien qui est impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse, il était coupable, faut dire que lui-même, il est d'accord qu'il était financé, mais achat d'armes et puis logement à mes scénarios. Et bien, surtout, il admet que lui-même était payé agent USGPN, pour lui-même être capable de retirer, et bien, pendant l'attaque qui t'a fait, car président et Jovenel Moïse, et bien, d'après sa ami Irak, lui-même, il bail, parce que, et je ne dis pas que Dimitri, t'a parlé qu'il n'y a pas de rien. Et bien, parce que, je l'ai dit, il y a, et bien, monsieur lui-même, il est arrivé plaidé, et coupable, et bien, a bloqué, et le dossier, ça, c'est un gros dossier, qu'on écrit dans tout le monde, au niveau de communauté, qui, au même, qui a suivi, et bien,
et dossier ça, dossier justice pour président Jovenel Moïse, Jacques et tout le monde même licencié à Mandeli, nous connaissons que c'est un président et qui lui-même qui a défendu et bien intérêt et population, et bien monsieur mettait tête ensemble jusqu'à ce que tu arrivé tout et le président Jovenel Moïse, et bien pour jusqu'où il y a, et pas tout le monde qui va comprendre comment autorité la justice n'a plus d'être même à avancer dans le cadre de dossier, nous connaissons que c'est bien et la même dossier ça. Et en pile, à essayer comment je vais être capable de faire pour réussir dans eux. Et bien, son dossier, en plus de manière licencié, il y a des types qui sont fait face avec autorité de la justice, et en plus de monde qui est même qui est capté et bien appliqué. Et bravo, ensemble avec autorité de la justice américaine, parce qu'en Haïti, nous connaissons qui a fait ça. Monsieur Seconde Pradel, mesdames, messieurs, pendant ce temps, et dans le dossier, ça, c'est sûr, certain nous-mêmes, et nous pas satisfaits. Nous pas satisfaits, nous loin pour nous être satisfaits, mais n'empêche, c'est sûr, c'est un commencement. Pas oublier, nous avons fait une émission hier, nous avons dit que justement, d'après experts, on a fait mystique, nous avons dit que 24 ans, son nouvelle ère qui est entrée sur Haïti. Et bien là, subitement, nous avons des Waldorf déjà de façon officielle qui déclarait qu'il est même coupable dans le dossier, là, mon président. C'est pour petit bagage qui petit. Et c'est sûr, certain, Waldorf déjà, libre à le parler, libre à dire l'autre bagaille. Bon, salut Lionel pendant le tout là. Bonsoir, Jimmy, bonsoir Pradel, bonsoir à tout auditeur, auditeur, Chanel, mon affaire, bon TV. Eh bien, d'après Jimmy, nous allons parler des dossiers ça. Eh bien, nous capables de dire, mesdames, messieurs, très bonne nouvelle, très bon rebondissement dans l'affaire. Justice pour Frédéric Jovenel Moïse, nous connaissons depuis environ près de 2 années, gagné justement dossier ça qui a fait son petit bonhomme de chemin. Eh bien, jeudi, vendredi, à la Nouvelle, sont très, très bonnes nouvelles qui tombaient. Et d'après ça, Miramiral rapporté, côté que, eh bien, Rudolf Dia, l'homme d'affaires haïtiano-chilien, qui lui-même, s'est participé dans le dossier assassinat après de Joseph Moïse. Eh bien, jeudi, à la, monsieur, plein de coupables. Et là, bravo, mesdames, messieurs, c'est premier accusé, c'est premier suspect qui est arrivé à avouer qu'il était dans l'assassinat après de Joseph Moïse. N'a pas rappelé, John Joseph est découvert à un certain moment donné, mais c'est une pire non coupable. Mais je dis, vendredi à la, nous, Woodard Jan, désormais, non seulement, lui a avoué qu'il s'est fatigué dans l'assassinat après de Jovenel Moïse, et bail qui est prérogatif qu'il s'est gagné. Woodard Jan a avoué, justement, la justice américaine, pour qu'elle sache qu'on est, c'est lui-même qui s'est bail l'argent pour acheter des armes. C'est lui-même qui s'est bail mercenaire, logement. C'est lui-même qui te baille, et justement, matériel. Et c'est lui-même également, et qui te, justement, payé, justement, dans parler des agents de sécurité qui te responsable de sécurité président.